sombre. Advienne que toi. D'accord, donc pas Dito Yoshi. Non, parce que je vois pas. Pas de soucis. C'est bien. Mec, c'est comme ça, ça va faire quoi. Wait. Oui, oui, je ne comprends pas non plus ce qui se passe là. Merdi, tu joues Dickey? Isma Sonic. Bah, Verdi, donc écoute, c'est vrai qu'on est habitué maintenant, mais. Isma Sonic, alors là. Personne ne l'avait vu venir, et c'est parti pour le match-up. Oui, oui. D'accord. Donc, apparemment, Nico me souffle dans l'oreillette que ça fait un mois qu'il tape Sonic pour certains match-up compliqués, comme ça. Certains match-up qui commencent par Fayot et qui se terminent en état. Donc, ça va être parti pour les embrouilles. Verdi qui va chercher les grabs, Isma qui va frapper et courir. C'est pas vraiment le jeu plus efficace du monde, mais vraiment le genre expert des bonnes choses. Ah, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Je me suis complètement craqué. On fait des petites alarmes. Donc, là, ça a apporté une digue longue. Oh non, d'accord. Ouais, il est déjà hors de portée. C'est dangereux, c'est tout ce qu'il va pouvoir se faire plaisir sur des petites phases de jungle, des petites phases d'Edgard. Quelqu'un qui est vraiment assez inouï dans l'air, malheureusement. Il y a quelque chose, il y a le back air, évidemment, il y a son tonnerre, pas très très loin. Ça peut être surprenant, mais. Oh là là, la rive de la spot dodge qui permet à Isma de prendre ce smash et de prendre la fin stock. Là il est complètement hors de contrôle. On va voir trouver des embrouilles, un back air, un smash, je ne sais pas, quelque chose. La back air de Isma, oh le tonnerre qui va pas tuer, ça fait quand même très très mal. Et Isma il se fait. Il va se faire très facilement. Là, la dame pro de Verdi dans les airs grâce au cargo qui l'a pas tué. Alors j'ai pas vu parce que excusez-moi, j'ai dit au revoir à des gens en même temps. C'est complètement le match-up des embrouilles là, hein, clairement. C'est difficile pour les deux. Enfin, c'est difficile pour Verdi surtout parce que Isma a cet avantage de pouvoir lui bourrer le shit comme il veut. Et Verdi a du mal à tenir parce que c'est Tikkei et parce que c'est Sonic. Ceci dit, l'avantage qu'on va avoir perdu, c'est qu'il va pouvoir amener Sonic très vite à pourtant une longue. Mais là, ça, il nous a fait très peur avec ce petit upper qui a été trouvé. Bon, ça ne tue pas. La gravité de Sonic qui a pas tué, là, Sonic. Tu es beaucoup moins qu'avant. L'upper qui a trouvé de la part de Verdi, s'il a 42%, à part 30%, peut-être qu'il va pouvoir faire des embrouilles. Le upper qui est trouvé permet à Isma de prendre cette première game. Je ne sais plus. Très bon commentaire. Restez en vie. Il était pas content, Sato. Ah, c'est la 3 m'annonce un résultat, excusez-moi, je rentre. Vous m'excuserez, je rentre. Vous m'excuserez, il y a du remplissage de braquettes en même temps. C'est très difficile de se gérer tout en même temps. Tu as lancé ça? Oui. Bah, tu lances gros homme Satoshi ou Xamel Wasabi. Donc, vous m'excuserez, donc pendant que je remplissais les braquettes,
Verdi a mis pas mal de pourcents à Isma, mais les grappes, je pense que il est en Ding Dong, le gars qui a fait le pas, c'est pas donc ça ne tue pas. Attention, Isma qui était. Il avait pas mal de pression là dans les airs, hein. il était pas serein. Il était pas serein le petit Isma. Oh là 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 là, le F-Mash qui est trouvé. Je sais pas qu'il va pouvoir des. Il utilise beaucoup de tremplin, c'est normal, c'est pas un truc, c'est un peu piégé. La vaccine qui est trouvée et qui va tuer. Donc, avantage à Verdi. Verdi s'est réveillé, il s'est remis dans ses baskets, il a fait calme-toi mon coco. Oh là là, des embrouilles. Est-ce que c'est des embrouilles? Non, Verdi a pas utilisé tout le temps. Le upstick, Verdi utilise beaucoup avec les gongs, hein. C'est pas très utilisé par les vrais mains d'autres gongs. Verdi considère que c'est une option de côté, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne connais pas assez en cube. En tout cas, ça marche bien quand Verdi fait. Peut-être que Verdi est juste trop mauvais, qui sait. Oh là là! Le Giant Punch sorti de nulle part, Verdi la sortie de champion et paf! Il est à 48%. La surprise. On va laisser peser. Allez, match suivant. Donc, match serré entre les deux joueurs là. Excusez-moi, je vous ce soir encore, c'est pas trop poli. J'essaye d'avaler le micro, mais peut-être pas chiant. J'espère que c'est pas trop chiant. Je m'en voudrais beaucoup. J'ai bougé la gamme en fait. Ah, ouais. Visto a gagné 3-1. Ça. Attends quoi? Ah oui non. Donc, c'est reparti sur Smash Bros. Donc, pour les deux encore une fois. Je pense que peut-être que Smash aurait intérêt à aller sur Smash Bros. Maintenant, je ne sais pas. Je ne connais pas. Et après 50 personnes qui viennent ici de tous les connaître, ça va pas changer avec Ultimate. Il a tout le temps de faire de pression avec ses bons backers, les bons backers de l'Ultimate, les connaisseurs, on adore. Le. Ouais. Enfin, un Ding Dong moldave un petit peu. Hein. En tout cas, je sais pas si c'était trop tôt ou c'est juste que Verdi l'a mal fait. Parce que c'était pas au maximum de du saut de il a tenté Spike. C'est pas passé. Là, par contre, c'est un peu autre chose pour tuer. Attention tout de même. Ce sa rapidité sur un flash qui peut surprendre et qui peut voler des coups de fil, mais il se passe du mal à approcher Verdi. Ça va être compliqué, la vague s'est trouvée et qui va tuer. Verdi donc qui reprend l'avantage tranquillement dans ce match. Voilà, encore une fois, Verdi en deux plus Verdi beaucoup et ça lui tire de pas mal de pression. Oh là là, il a encore tenté l'arnaque au Giant Punch. Le flash de Isma qui est trouvé. Il va lui permettre de prendre la stock. Il a eu très très chaud là, on peut le dire. Et il revient dans le match. Oh attention, ces phases là. Oh là là, mais Verdi il tente les chauds. Verdi il tente les embrouilles. Il tente les verres et tout. Il a aucune limite. Encore une fois, il fait toute cette armure sur le up-B. Ça n'a aucun sens. Et il l'utilise tout le temps, mon dieu. On dirait, j'ai pas de métaphore. Donc on va dire une ZSS avec ses grappes. Peu importe ce que ça veut dire. Donc, avantage au niveau des pourcents, mais Sonic ça peut mettre des pourcents Sonic si Verdi ne trouve pas le kill. Et donc, maintenant, là c'est une mission difficile. Le backer qui est trouvé, qui va pas tuer. Verdi avait gardé son saut, heureusement, mais même si est-ce que l'immunité passe? Le lion il passe! Donc il passe 2-1 pour Verdi. Et victoire pour c'est beau jeu pour l'instant. Alors, est-ce que Isma va enfin nous sortir son Yoshi? Je ne sais pas. Restez en vie. Ah ouais, ça reste sur du DK Sonic. Les gens ils sont confiants sur leur petit pic surprenant là. Après tout pourquoi pas. Si ça marche, on aurait tort pour télé. C'est parti sur Battlefield. Alors là, je pense que c'est un qui va plus avantage Sonic. Je ne connais pas tous les matchups du jeu par cœur. Mais pourquoi je pense que ça va avantage Sonic? Parce que les embrouilles opèrent avec Sonic, bah ça vient aussi bien des plateformes. Et il va pouvoir juggle le ticket progressivement. En contrepartie, le Ding Dong va
si Vergy arrive à caler un million depuis la plateforme bio, ça va faire très très mal, mais encore faut-il le faire, surtout dans ces phases là où il est sur une plateforme et il n'arrive pas à approcher, c'est compliqué. Pour l'instant, c'est pas un gros danger. Il profite beaucoup de son avantage de vitesse et de mobilité. Le F-Mash qui est trouvé et qui était bien chargé, et je sais pas si c'est beaucoup chargé, mais en tout cas il était très chargé. Donc là, Vergy va recommencer les embrouilles. Ce galop au père, c'est Cloud, mon dieu. Attention, le frère qui est trouvé. Vergy qui a été hors de la fin d'exploit et tac. Et Smack a pas su. Il y a un trajectoire, attention. Ce frère qui est très dangereux. Encore une fois, comme je disais, vu que Tigger se fait de gueule très facilement, il se va vraiment en profiter beaucoup, beaucoup. Et dès qu'il peut servir le plateforme, il va le faire. Et c'est normal. C'est normal. Donc pour l'instant c'est difficile pour Vergy d'exister, le terrain l'aide pas vraiment et Isma mais arrive à beaucoup plus facilement à trouver les combos. Attention le dit. Non il a. Est-ce qu'il s'est trompé trop, je ne sais pas. En tout cas il n'y a pas eu de ding dong. Je pense que ça fait. Là ça tue, ça tue. Là encore l'avantage de Vergy c'est que il a un gros auto-kill. Il a un gros auto-kill, je ne sais pas pourquoi je vais faire ça. Il va falloir faire attention parce que sur ces phases, Dickey il peut vous snapser avec son bon vieux fer. Attention avec le smash, il smack à airbud le fer de Vergy. Et là c'est dangereux, heureusement Dickey a plutôt une bonne rico horizontale. Avantage de 8% Isma, Isma qui va devoir faire un killing très rapidement parce qu'avec la rase, Dickey ça va faire mal. Pour le giant punch. Attention avec le smash. Hein. Enfin, attention pour Vergy surtout. Parce que ça peut surprendre en fait, il est rapide. Attention, voilà, Isma qui sort de tous les punis que j'ai pour lui faire. Là, Isma a difficulté, ça va être de trouver le kill move, le père qui a pas été trouvé. Merci, ah, shield, t'as vu venir le. Et le petit jour qui tue pas. Oh là là, ça se jouait à 1% à peine. Et là c'est compliqué. Là, faut trouver le kill move. Le dodge smash qui a été dodge de la part d'Isma. À la frappe, c'était Neo dans Matrix, il a vu les données de la Matrix, il a évité et paf, F-Smash, ça s'est joué vraiment un peu de choses. 2-2 donc dans ce match, de l'improbable, ce match de l'amour, ce match, j'allais dire de Yoshi, mais non, parce que la vie est une perpétuelle déception. Est-ce que, vous allez avoir un counter, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, est-ce que vous avez trouvé les mots-clés pour découvrir le mot de passe qui vous permettra d'acquérir la somme incroyable de 100 000 euros de Boyard. Exactement, vous pouvez entrer Felidra tête de tigre. J'ai regardé Fort Boyard le jour, c'est pas combien. Bref, ça reste sur du DK Sonic Dreamland. Alors là, la joie de Selig, donc c'est bien pour les persos qui vont comme DK. Mais plateforme, donc c'est bien pour Sonic. Donc mystère. Est-ce que Vergy va réussir à s'imposer sur cette cinquième game? En tout cas, Isma, il a bien réussi à pas se laisser faire. Encore une fois, c'est son retour. Isma qui met déjà pas mal de pourcents. Pas mal. Pour Sonic, c'est bien. Ah, parce que je joue moins gros. Donc, évidemment, en 4 coups, je fais pareil. Mais bref, on n'est pas vraiment un peu de match de mégarde. Pour l'instant, donc je disais, Isma qui met pas mal de pourcents. Un avantage de 20%, ça se prend de 40%, ça se prend carrément. Et Vergy qui profite de sale situation là parce que il n'arrive pas à trouver et ça il se passe quand même mal vu le up. Ça se finir, la fois j'ai trouvé grosse prise de risque de la part de Vergy qui a attendu une erreur de Isma pour pouvoir le finir par ce smash. Attention là parce que oh là, il y a eu une petite interaction assez étrange avec le trampoline. Le F-Mash qui est trouvé qui ne va pas tuer. C'est très dangereux là. Isma va devoir trouver qui très rapidement. Il ne veut pas prendre trop de retard sur cette game. Vergy, il a du mal à gratter 2%. Enfin, 2%. Ça se prend. Donc, je pense que l'idée de Vergy là, clairement, c'est de gratter beaucoup de pourcents. Oh là là, le vacarme, c'est gratter beaucoup de pourcents comme ça. Il prend mettre le ding dong tout de suite. Oh là, alors là, on a failli avoir une interaction similaire à, sur la première stock. C'est-à-dire que Isma est parti sur un donner, Vergy est parti sur un up smash. Heureusement, Isma a touché avant. C'est chaud, et surtout que Vergy, il arrive déjà très très proche du ding dong. Ça va être dangereux, Isma ne peut pas se permettre de prendre trop de dégâts. Ou alors si, il faut qu'il en prenne
crois qu'il a encore apporté King Kong. Et là c'est dangereux pour Isma. Il se retrouve dans une très sale situation. Il va lui attendre une minute grave qui va passer. Il est très prudent. Qui va tout de suite le upper qui est trouvé. Attention. Avec ce spin dash. Ça oui, Verdi a attendu. Oh là là. Terrible. Ok, alors Verdi a attendu la air dodge. Isma a fait. Mon gars, tu vas te calmer tout de suite. Je sais que tu l'attends. Enfin, attention à ce backer qui a été. Je ne sais pas si ça a été tech, mais en tout cas, ça n'a pas tué. Voilà, ce nerf, Verdi, ce nerf, mais. Sa vie, le bug est trouvé. Isma qui a fait un spin dash unsafe sur le shield de Verdi. Et Verdi qui a fait, bah, clap your hands. Et Verdi qui prend ce match tendu, comme si c'est pas permis. Non, mais c'est un stream tout public, on peut pas se permettre de dire ça.